Bonsoir à tous et bienvenue sur Via Style à poursuivre ce premier débat consacré à l'élection territoriale dont le premier tour, vous le savez, aura lieu dimanche prochain. Bonsoir à nos 6 invités présents sur ce plateau et merci à tous d'avoir accepté cette invitation. Et bonsoir à vous, bien sûr, Sylvia Coahuilla, qui animerait ce débat avec tout le talent qu'on vous connaît. Alors, si nous avons décidé d'organiser 2 confrontations aujourd'hui et demain avec à chaque fois 6 candidats, c'est essentiellement pour des raisons de lisibilité et de clarté de la discussion. Le nombre de listes, 12, je vous le rappelle, ne permettait pas un débat véritable et le risque de confusion était réel. Nous avons donc opté pour 2 émissions qui permettront à tous de s'exprimer, de se confronter et de vous éclairer. C'est en tout cas le but recherché. Dernière précision avant de passer la parole à Sylvie pour une présentation du débat. Les candidats participant à ces émissions ont été tirés au sort devant huissier pour savoir qui allait se retrouver dans chacun des face-à-face. Bonsoir Jean, messieurs, bonsoir à tous. Alors ces 5 dernières années, les débats de l'Assemblée de Corse ont souvent été marqués par la recherche d'un consensus le plus large possible autour de grands dossiers comme le PADUC, la co-officialité ou la future collectivité unique. Alors ces thèmes se retrouvent dans les programmes des différentes listes, mais fréquemment relégués derrière d'autres problématiques, peut-être plus en prise celle-ci avec le quotidien des insulaires. C'est le cas de l'emploi, de la formation ou bien des transports. Nous consacrerons donc la première partie de cette émission à l'économie, aux ressources financières indispensables à la collectivité territoriale pour mettre en œuvre ces politiques. Nous évoquerons également le volet institutionnel, car les nouveaux élus siégeront à peine plus de 2 ans. Il leur appartiendra de définir, avec le gouvernement, ce que sera cette collectivité unique issue de la fusion de la collectivité territoriale et des 2 conseils départementaux. Comment s'organisera cette institution rénovée? Comment fonctionnera-t-elle? La future majorité devra s'intéresser à ces questions. Cela dépend autant des urnes que des alliances qui seront contractées. Politique et stratégie seront donc au menu de la dernière partie de cette émission. Une émission à laquelle, vous l'avez dit, Jean, participe 6 candidats que Dominique Moret nous présente en images. Paul Jacobi souhaite la continuité à l'exécutif. Avec Prima Gurtiga, le sortant de gauche a pratiqué l'ouverture à droite. L'ancien président du Conseil général est également député de la Haute-Corse. À 73 ans, Dominique Bouquigny a été de toutes les assemblées depuis 1982. Avec Agurtiga Nkumunu, le président sortant porte à nouveau les couleurs du Front de gauche. Côté nationaliste, le maire de Bastia, Gilles Simeone, se verrait bien en rassembleur. Le leader de Fema Agurtiga n'exclut pas de s'agréger d'autres forces pour l'emporter. Faire gagner le nationalisme, c'est également le but de Jean-Guy Talamoni pour Gurtiga Libre. Élu depuis 1992, l'indépendantiste quitterait volontiers l'opposition pour participer à la gestion. Plus classique, Camille de Rocazer veut l'alternance à droite. Pour cela, le député Les Républicains devra d'abord l'emporter face à son rival José Rossi, qui, lui, a reçu l'investiture du parti. Enfin, Yacine Santoni de Debout la France est le seul à n'avoir jamais été conseiller territorial. Gaulliste, l'ancien député des Bouches-du-Rhône se pose en rempart contre les idées nationalistes. Alors, avant d'entamer la première partie du débat consacré à l'économie, un retour et un tour de table d'abord sur les conséquences des événements dramatiques survenus à Paris à la mi-novembre. Alors, vous êtes tous ici, messieurs, les représentants de la classe politique et donc, dans une certaine mesure, les garants de la cohésion sociale de la communauté corse. Alors, est-ce que vous pensez que ces événements peuvent impacter les relations entre les diverses communautés de l'île aujourd'hui, Paul Jacobi? Je ne le pense pas. La Corse est une société d'intégration. La Corse, nous sommes souvent les uns et les autres, d'ailleurs même à cette table, avec des origines diverses, et c'est très bien ainsi. Et je crois que c'est la responsabilité des politiques que de travailler à cette communauté. Vous savez, celui qui est Corse, c'est celui qui vient en Corse, qui s'y installe, qui y réside, qui apprend aussi quelquefois, et ça arrive à toutes les communautés, la langue et la culture et l'identité de l'île. Je ne crois pas que ça aura un impact de division de la communauté insulaire. Camille Rocazier. Je l'espère. La seule chose, c'est que nous devons être réalistes, vigilants, et qu'on voit le fanatisme, l'intégrisme, le djihadisme, ce que cela produit en France, ce que cela produit à Paris, mais que cela peut produire partout dans le monde. Donc nous devons, je dirais, faire un rempart pour défendre des valeurs de civilisation contre ceux qui ne prônent que le fanatisme et c'est un totalitarisme d'un nouveau genre que nous devons combattre par tous les moyens. Dominique Bouquigny, la Corse a toujours été une terre d'immigration. Mais comment est-ce que, dans un contexte aussi difficile, hein, à la fois du point de vue économique et géopolitique, on traite ces phénomènes aujourd'hui? On les traite par les valeurs de la République et en chantant la Marseillaise. Parce qu'il n'y a pas d'amalgame à faire entre des gens qui ont certaines croyances et d'autres qui prient ou qui ne prient pas.
ou en fonction de la couleur de la peau, on a une capacité en Corse, si tout un chacun y met du sien, d'aider à régler ces problèmes-là, contre l'obscurantisme le plus total, contre le recul de civilisation, contre de criminels. Chantez la Marseillaise, Jean-Guy Talamon, ça suffit ? Le fanatisme chanté est qu'un sang impur à preuve nos sillons, je ne suis pas certain. Surtout en Corse, nous avons nos propres symboles. Et je crois que le choix qui a été fait par les Corses à Fouriagne est un choix digne. Hein. La Marseillaise n'a pas été sifflée, c'est très bien. C'est ce que nous avions demandé pour notre part. Le Dio Fesal Virgine a été chanté. Et c'était la manière la plus digne, la plus respectueuse, la plus sincère de rendre hommage aux victimes. Donc sur la question, je veux dire, de l'intégration, je crois que nous, il faut que nous en restions à notre modèle d'intégration traditionnelle. Et la Corse, c'est d'ailleurs ce que disait à l'instant Paul Jacob, la Corse a toujours fabriqué des Corses par la langue. La langue porte les valeurs d'une société. Nous pensons qu'effectivement, il faut que le peuple corse, qui est la seule communauté de droit sur cette terre, maîtrise les conditions de la gestion de la diversité culturelle. L'immigration, c'est une chance pour la Corse, il y a 500 ans, selon vous ? Écoutez, avant tout, je voudrais exprimer mon sentiment d'affection, de compassion pour les familles qui ont été touchées par cet attentat horrible, par cette barbarie. On ne peut que dire que les paroles qui ont été prononcées par Sa Sainteté le Pape sont justes. C'est la barbarie, c'est vraiment quelque chose d'insoutenable d'agir ainsi au nom de Dieu. Et en contrepartie, lors d'une manifestation où j'avais été appelé à Bastia, j'ai pu constater la peur de nos compatriotes. Une crainte qui, à mes yeux, était justifiée, même s'il n'y avait pas eu de discours de haine, rien du tout, parce que tout s'est passé très bien. Mais cette peur, elle est réelle. C'est-à-dire qu'à l'occasion d'une migration massive qui se déferle sur l'Europe depuis des mois, des gens pensent que s'ils étaient des responsables de Daesh, ils en profiteraient pour infiltrer chez nous les pires terroristes. Malheureusement, les faits leur ont donné raison. Et cette peur, eh bien, il faut l'éradiquer par des mesures très fortes. Et ce ne sont pas les mesures de Christian Taubira ou d'autres au niveau responsable qui vont arrêter cette peur. Gilles Simeone, pour conclure ce tour de table. Plusieurs niveaux de réponse. D'abord, effectivement, l'islamisme radical est une idéologie barbare et fanatique. Et il faut la combattre, y compris sur le terrain militaire, mais il faut la combattre sur le terrain des valeurs, de l'humanisme, de la tolérance, du rejet de toutes les idéologies d'exclusion. Ça dépasse le cadre de la République. À mon avis, c'est un combat qui est universel. Et puis ensuite, il y a un véritable problème dont s'empare aussi d'un côté l'islamisme pour creuser des clivages et puis une surenchère de l'autre côté. Moi, je pense qu'effectivement, le peuple corse doit être fondé sur une notion d'intégration. La Corse a toujours fabriqué des Corses. Nous avons aujourd'hui des problèmes qui ne sont pas à confondre l'islamisme avec l'islamisme radical, qui sont des problèmes d'intégration. Il faut les aborder de front. Il faut dire qu'il n'y a pas de place dans notre société pour les communautarismes et il faut proposer un modèle qui ait les moyens d'intégrer à travers les outils traditionnels et notamment effectivement la langue, la culture, la cohésion sociale et le projet collectif. C'est notre conception et elle est commune à tous les nationalistes du peuple corse et de son projet. Et peut-être aussi l'économie. Nous allons donc aborder la première partie. Sylvie. Tout d'abord, Jean, quelques chiffres. 22 000 demandeurs d'emploi fin octobre, 18 000 foyers sous le seuil de pauvreté, des salaires qui restent largement inférieurs à la moyenne nationale. La Corse est la seule région sous la barre symbolique des 2 000 euros. Alors cette société insulaire, elle se paupérise, elle peine à se loger, elle se replie sur ses difficultés, elle craint effectivement l'avenir. Le constat est partagé par tous, pouvoir public, associatif et politique, pas nécessairement les solutions. Paul Jacob, une première question. Vous dites vouloir gagner la bataille de l'emploi. Que vous a-t-il manqué ces 5 dernières années, certes marquées par une crise importante, pour y parvenir ? Bah, écoutez, on est arrivé, on a trouvé une situation. Il y avait des problèmes de transport, il y avait des problèmes de finances, il y avait des problèmes de toutes sortes. On a réuni un certain nombre d'outils, on a fait beaucoup sur l'emploi, on a dépensé 97 millions d'euros en prêts, on a fait en sorte en prêts, en aide, en garantie aux entreprises. Donc tout ça, en tout cas, on a fait plus que les mandatures précédentes sur 5 ans. Aujourd'hui, nous avons des moyens considérables. On a, dans la précédente mandature, investi près d'un milliard d'euros, on n'a pas eu le rendement en termes d'emploi. Aujourd'hui, nous avons par exemple la PPE, c'est 3 milliards d'euros sur 8 ans. Si avec ça, pour faire la transition énergétique de la Corse, qui est donnée par la solidarité énergétique nationale, avec ça, on doit passer contrat avec les entreprises, dans les branches et dans les entreprises individuellement. Il ne s'agit pas de dire, on vous donne une demande qu'on solvabilise, il s'agit de dire, oui, on vous donne cela, mais en même temps, on met la formation,
on met l'aide technique, on met les moyens également financiers pour vous aider. Et il faut qu'en contrepartie, les entreprises créent de l'emploi. Et pas seulement de l'emploi détaché. Le bâtiment, le BTP, a bénéficié d'un certain nombre de commandes considérables. Eh bien, le résultat des courses, c'est quand même 2000 emplois détachés, essentiellement dans le BTP. Les emplois détachés, c'est des gens qui viennent d'ailleurs dans l'Union européenne. Donc, il va falloir effectivement travailler à cela, même si on l'a fait dans la mandature, pas assez sans doute, mais il faut mettre l'accent. On a apporté les moyens. Camille de Rocazière, vous avez des propositions à formuler précisément pour essayer de juguler un petit peu ce recours aux travailleurs détachés. On a aujourd'hui des entreprises qui soumissionnent à des marchés publics et qui n'ont que peu, voire pas de salariés insulaires. Oui, enfin, pour revenir déjà au début de cette conversation, c'est que si tout allait bien, on le saurait. Si on parle aujourd'hui d'économie, c'est qu'on n'en a pas assez parlé pendant les 5 ans qui sont écoulés. – Jacob, il renvoie le bébé l'eau du bain, oui, avec une responsabilité notamment sur les comptes de la collectivité. Ben, – les comptes de la collectivité, c'est très simple, c'est qu'il y a une dégradation aujourd'hui, moins 55 millions d'euros en investissement. C'est, on a fabriqué de l'emploi public, effectivement. Et puis, bon, pour reprendre quelque chose qui nous est renvoyé, sont les emprunts toxiques qui impactent. Simplement, les emprunts toxiques, il y en a peut-être eu 2 dans notre collectivité, il y en a eu 4. Qui ont été renégociés depuis, je crois, récemment. Oui, non, mais il y en a eu 4 Conseil général de la Haute-Corse. Qui coûtent infiniment moins cher. Qui coûtent, qui représentent 40% de l'endettement du département de la Haute-Corse. Ils ne posent pas le même problème. Et qui, contrairement à ce qui se dit au niveau de la collectivité territoriale, qui serait imputable uniquement à l'exécutif, en Haute-Corse, il se trouve que c'est imputable à Dexia. Donc on voit qu'il y a une différence de mesure entre les deux. Mais après nous renvoyer des emprunts toxiques qui ont été malheureusement sollicités par beaucoup de collectivités à travers la France entière, nous avons des propositions. J'ai une proposition déjà. Les travailleurs détachés, j'ai voté contre à l'Assemblée nationale. Bien sûr, ce n'est pas la bonne réponse. Mais j'ai une proposition, moi, c'est le CDI saisonnier. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un nombre important d'emplois qui sont saisonniers, trop saisonniers. Et avant qu'on sorte de cette saisonnalité, il faut apporter une réponse. La réponse, elle est effectivement d'une modification du code du travail, c'est-à-dire il faut les CDIiser. Pour cela, il faut annualiser le temps de travail, permettre à l'entreprise qui embauche le salarié de pouvoir défiscaliser dans le cadre des charges patronales, et comme cela, on peut CDIiser. Si nous obtenons satisfaction, puisque j'ai déposé une proposition de loi, à ce moment-là, je pense qu'on sortira ces emplois qui sont importants de la précarité, puisque au mois d'octobre, ils se retrouvent au chômage, ils touchent le chômage au mois de février, ça veut dire qu'ils sont dans une situation de précarité. La jeunesse corse ne va pas vers ces emplois, parce qu'ils sont trop saisonniers, trop précaires. Si on les CDIise à ce moment-là, vous allez avoir vraisemblablement, je dirais, une création d'emplois dans ce domaine pour notre jeunesse, et de favoriser pendant la période non œuvrée l'hiver, où l'établissement est fermé au public, que le salarié puisse bénéficier d'une formation, soit dans le cadre de son entreprise, soit en dehors de l'entreprise. On le voit, ça permet de sécuriser l'emploi, sécuriser le salarié au niveau de son entreprise, et en même temps permettre la formation. C'est un élément de réponse parmi un nombre important de réponses à donner. – Dominique Bouchini, vous êtes l'un des rares ici à plaider pour la défense du service public, pour la défense de l'emploi public. Alors, la Corse détient un record en matière d'emploi public, c'est 30 000 fonctionnaires, c'est l'INSEE qui le dit, pas moi, 40% des effectifs dans la fonction territoriale. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de ce que sont les finances des collectivités, ce modèle-là a définitivement vécu ? – Mais moi, je vais poser la question autrement, parce que autrement, on va faire un entretien au demeurant fort courtois avec des options qui sont des options différentes, et tant mieux si on les oppose. On ne peut pas nous poser des questions de ce type-là, et c'est votre droit, en imaginant qu'on a la réponse à toutes ces questions en Corse, c'est qu'en Corse, on vit sous cloche. Et qu'on a les moyens. Moi, l'idée de penser qu'en Corse, on vit sous cloche. Je vais finir. On a les moyens de régler tous les problèmes. Il y a quelque chose qui est important, à moins qu'on ne le sache pas en Corse, il y a une austérité qui est galopante. Elle nous vient de Bruxelles, elle nous vient de Paris. Les collectivités en savent quelque chose, monsieur le président du Conseil exécutif. Les départements en savent quelque chose et les communes en savent quelque chose. Donc dans un premier temps, il faut essayer de quoi faire, il faut essayer de lutter contre cette austérité. Le reste du temps, on peut faire un certain nombre de propositions, avant tout défendre les services publics. Lorsqu'on connaît l'histoire de la Corse bien, chacun à sa manière,
Heureusement qu'il y avait l'école laïque, l'école de la République, qui a permis à des gens de devenir fonctionnaires et d'élever leur famille. Ceux qui, au demeurant peut-être, travaillaient un peu mal à l'école, ils allaient peut-être dans l'armée française, parce qu'à l'époque, on avait un empire colonial. Tout ça, maintenant, est terminé, et il faut essayer d'avancer, je veux dire progressivement, et je pense qu'on le peut. J'allais vous dire en plus, parce que je pense qu'il est honnête de le dire, et même si des collègues ici ne partagent ce point de vue. Il faudrait réfléchir, je pense à Camille, par rapport à ce que vous dites, lorsqu'on regarde le CICE en Corse, qu'est-ce que l'État envoie ? Au niveau du crédit, du crédit d'impôt, qu'est-ce que l'État envoie ? Si je compte bien, jusqu'à ce qui va se passer en 2020, on est à 2500 millions d'euros. Il serait quand même normal, et personne n'est contre l'entreprise en général, qu'il y ait un certain nombre de personnes qui perçoivent que l'on puisse éventuellement créer des emplois pour des Corses alors que le chômage augmente. Si on n'arrive pas à faire ça, nous on propose la création d'un fonds, je veux dire sous l'égide de la collectivité, de rameuter un petit peu le tout, voir un petit peu, et de bien contrôler, pour dire, je veux dire, à des patrons qui ont bien sûr le droit d'étendre leur entreprise, de travailler, de monter les fiers avancés. Deuxième proposition qui est importante, moi j'ai visité des hôpitaux, avec tout ce que les gens disent dans les hôpitaux, peut-être qu'il serait bien de se battre pour un PEI hôpital, ce serait quelque chose d'important, et priorité des priorités pour faire travailler le bâtiment. Le président du conseil exécutif en a parlé, il serait bien de s'occuper sérieusement du logement, et par rapport à ce que disait Camille, et pas la personne de Camille, la politique de Camille, c'est une évidence. Bien, lorsque nous sommes arrivés aux affaires, on a multiplié le logement par 4. Le budget de la collectivité au niveau du logement par 4. C'est pas pour ça qu'on arrive à construire, parce que malheureusement, le prix du mètre carré en bord de mer à Zalvo-d'Atout, mais aussi dans l'intérieur de la Corse, on n'arrive pas à maîtriser, les communes sont exemptes. Mais le logement est un facteur, évidemment, de développement. Quant aux saisonniers, bah écoutez, il y a des organisations syndicales, au demeurant fort nombreuses, qui posent un statut du saisonnier, mais un vrai statut du saisonnier. – La Corse a les moyens de peser sur cette évolution, ou pas, Gilles Simeone ?– Plusieurs choses, là encore. Tout le monde sait bien que la Corse ne vit pas sous cloche, et qu'elle est forcément impactée directement par le contexte français, par le contexte européen et le contexte international, première chose. Deuxièmement, il y a beaucoup de réponses techniques qui ont été apportées déjà et qui restent à inventer, sur lesquelles on peut être d'accord. Par exemple, lorsqu'une collectivité, quelle que soit la majorité qui a contracté l'emprunt, est soumise à un emprunt toxique, on renégocie. Là, en l'espèce, il s'agissait simplement d'adhérer à un dispositif national, le fonds de soutien aux emprunts à risque. – 4 ans de négociations. – Qui a été mis en œuvre, les premiers à avoir remporté. Excusez-moi, parce que vous avez l'air de dire, il suffit de renégocier. C'est bien mignon, mais je ne m'énerve pas du tout. On a passé 4 ans à renégocier, nous sommes les premiers en France à avoir obtenu 85 millions d'euros du fonds de soutien, et les autres essayent d'obtenir les mêmes choses que nous avons. – C'est pas vous. – On n'a pas renégocié, a porté plainte contre Dexia. Mais nous aussi, on ne peut pas porter plainte, Camille. Donc, ça ne mène à rien. On a fait un contentieux, ça ne mène à rien. Il faut quand même être sérieux. Écoutez, quand on est responsable de ça, on assume les responsabilités. Bon, en tout cas, vous avez hâte. Moi, je ne suis pas responsable des emprunts. Ça, et vous ne pouvez pas non plus contester qu'il y a un dispositif national qui a été mis en œuvre. On l'a activé. Sauf qu'il fallait le négocier. Mais ça a pris 4 ans. Ne vous énervez pas. Hein. C'est ce qui fait la différence entre l'amateurisme et le professionnalisme. Oui. Ça ne se fait pas comme ça en claquant dans les mains. Non, mais bon, vous avez bénéficié d'une mesure nationale qui profite à d'autres collectivités, dont acte, tant mieux pour les finances de la collectivité territoriale de Corse. Qui profite pour une première fois à notre collectivité. Qui en ont bien besoin par ailleurs, eu égard à la spirale quand même extrêmement difficile, pour ne pas dire ruineuse, dans laquelle vous l'avez sinon engagé, en tout cas conforté. En termes d'emploi, j'ai ceci étant, donc, je disais aussi… – Avec 100 millions d'euros d'excédent de la section de fonctionnement, qui finance la moitié de notre investissement, je trouve que c'est une spirale… Moins 55 millions d'investissement sur la durée de la mandature. C'est considérable, ça fait 5% en moins. – On peut parler… – Camille, il faut être sérieux dans la vie. – Je suis sérieux. – Vous n'êtes pas sérieux, parce que les 55 millions, c'est qu'on a fait des économies sur le coût des travaux. Et j'en suis fier, parce que sur la 4 voies, on a payé 14 millions de moins que ce que ça aurait coûté de votre temps. Excusez-moi de vous dire, j'en suis très heureux. Ça permet de faire d'autres choses. Je peux continuer. Donc, sur le problème de la commande publique, je vais donner un chiffre qui est important. La centrale de Luciane, 300 millions d'euros de travaux, 20 millions d'euros pour les entreprises corses. Donc, effectivement, il faut impérativement… – C'est nous les maîtres d'ouvrage ?–
Non, mais je vous dis, il faut que nous... Ne vous énervez pas, je peux parler. Je dis qu'il faut que nous réfléchissions. Il faut que nous réfléchissions. Mais réfléchissez. Mais réfléchissez à des choses concrètes. Ça, c'est très concret, vous savez. L'Observatoire de la commande publique. Paul, lorsque sur 300 millions d'euros, l'État nous dit, moi, j'ai investi 300 millions d'euros en Corse, et que sur ces 300 millions d'euros, il y a seulement 20 millions d'euros qui restent pour les entreprises corses et pour les salariés de cette île, moi, je considère que c'est un sérieux problème et que les responsables, vous ne l'avez pas fait. Dont acte. Moi, je pense que les futurs responsables, les prochains responsables dans 15 jours de la collectivité territoriale de Corse devront aller sur un terrain où on redéfinit la façon d'écrire les cahiers des charges, faut modifier les critères d'appel d'offres, où on labellise les entreprises pour être en conformité avec le droit européen et le droit national, tout en réussissant à permettre à nos entreprises d'accéder dans des conditions plus favorables à la commande publique. Ceci étant posé, moi, je pense qu'effectivement, on ne pourra créer de l'emploi de façon durable qu'en changeant de modèle. Changer de modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le public et le privé. Dans le public, il y a les fonds publics et il y a les emplois publics. Les fonds publics, aujourd'hui, vont en diminuant. C'est une tendance lourde. Raison Est-ce que vous faites partie de ceux, Gilles Simeone, qui prennent un moratoire en termes d'emploi public? Non, un moratoire en termes d'emploi public, non. Je pense qu'il y a de la responsabilité d'un exécutif. Heureusement, parce que ce n'est pas le cas à la mairie de Bastia. Ah, mais si vous connaissez mal vos chiffres. Vous avez créé 300 nouveaux postes en 3 ans. Oui. Non, moi, j'y suis. On a transféré une grande partie de ces postes. Nouvelles. On a créé, quand on a transféré des emplois de l'État qui étaient payés par l'État et avec les financements qui sont. Excusez-moi, quand on a fait le centre polyphonique de Sartène, on payait des déjà les gens, on les paye à nouveau. De la même manière, ça ne coûte pas plus d'argent. Heureusement, il y a quand même des juges de paix qui nous départagent. Là, j'ai le rapport de la Chambre régionale des comptes. Il est clair. Qui est très clair, qui explique qu'en 3 ans de votre mandature, il y a eu 300 nouveaux emplois créés. 311, à responsabilité égale. Moi, en 2 ans, à Bastia, pour dire un mot, puisque vous avez encore une fois, ensuite, de votre partenaire de la liste, Prima Agour, c'est gars, soutenu qu'il y avait eu des créations abusives de postes à Bastia. François Bastia, il y a 18 mois, quand je suis arrivé, il y avait 661 postes. Aujourd'hui, il y en a 662. 300, vous, en 3 ans. 1 mois, en 2 ans. Voilà. Alors, fin de la parenthèse. Alors, ça nous intéressera. Ceci étant posé, je pense qu'il faut changer, de modèle. Il faut changer de modèle et il faut aller vers un modèle où on crée de la richesse. L'emploi public, je ne dis pas qu'il faut supprimer l'emploi public. Il y a besoin de services publics en Corse, comme ailleurs, et de qualité, et a fortiori dans les zones rurales et dans les zones de montagne, où c'est une condition sine qua non de la vie économique. Mais vous savez, nous avons souvent été les uns et les autres ensemble, y compris dans des mobilisations, dans le Cap Corse, dans le Niol, dans l'Altaroc et ailleurs. Et nous avons vocation à nous y retrouver. Donc oui, à l'emploi public, mais dire aujourd'hui que l'emploi public pourra continuer à absorber dans des proportions importantes, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas possible. Et puis ensuite, il y a effectivement le secteur privé. Alors, le secteur privé, indépendamment des mesures qui peuvent être mises en place, bien sûr, il faut à la fois, du côté de ceux qui cherchent de l'emploi, nous proposons par exemple une plateforme territoriale pour que la réactivité entre la demande d'emploi et entre l'offre soit beaucoup plus affirmée, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est un appareil qui est trop lourd et qui ne fonctionne pas. C'est un exemple parmi d'autres. Il faut également soutenir les entreprises pour qu'elles puissent embaucher. Ça veut dire que ça n'a pas été suffisamment fait ou bien fait jusqu'ici ? Ça n'a pas été suffisamment fait. Le dispositif BPI, il a traité 27 dossiers sur 1400 demandes. On ne peut pas considérer que c'est une réussite. Nous disons donc qu'il faut renforcer, il faut créer un fonds spécifique, ou plus exactement renforcer le fonds spécifique de soutien à la trésorerie des entreprises, parce qu'on sait que les TPE corse et les PME ont souvent des difficultés de trésorerie. Et donc il faut aussi créer les conditions de cette vision économique avec une stratégie fondée également, et je termine, sur l'innovation. Aujourd'hui, tous les modèles économiques qui réussissent reposent notamment sur la formation et sur l'innovation. Aujourd'hui, l'innovation en Corse, c'est 0,2% du PIB, c'est infinitésimal, il faut trouver les marges pour passer de 0,2% à 1% ou 2%. – Jean-Guy Talamone, quelles orientations économiques aujourd'hui pour essayer de sortir de cette spirale ?– Oui, s'agissant spécifiquement de l'emploi, bon, je crois qu'il y a aussi aujourd'hui une réalité qui est l'immigration économique. Hein, donc nous, pour notre part, nous plaidons pour les flux migratoires, mais qui n'est pas uniquement une immigration maghrébine comme certains l'entendent. Il y a une immigration beaucoup plus large et il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur pour occuper en particulier des postes d'encadrement. Il n'y a plus beaucoup de chefs de service qui sont corses aujourd'hui.
aujourd'hui. Et nous, nous plaidons inlassablement depuis des dizaines d'années pour la corsisation des emplois. Bon, les nationalistes, pas seulement, hein, puisque également la CFDT se prononce pour cela. Donc la corsisation des emplois, ça doit être un axe majeur de notre politique aujourd'hui. Il faudra à un moment donné l'affirmer et le mettre en pratique. Quant à, je dirais, à l'immigration économique, il faudra à un moment donné, bien sûr, que nous prenions notre part. Faites référence aux 4 000 personnes qui sont 4 à 5 000 personnes qui viennent. Et souvent, ils viennent occuper des postes que les étudiants qui sortent de l'université de Corté pourraient occuper. Donc nous disons que cette décorsisation systématique des emplois, qui a été d'ailleurs revendiquée à l'époque du rapport Glavany, en toutes lettres, dans le rapport Glavany, c'est inscrit. Je crois que cette décorsisation doit cesser et qu'il faut, à l'inverse, mettre en place une corsisation des emplois. Bon, s'agissant, je dirais, des orientations économiques de manière plus générale, bon, il est tout à fait évident que l'emploi est directement lié à cela. Nous pensons qu'il y a des ressources à mobiliser. D'abord, nous demandons le transfert de la fiscalité corse en direction de la collectivité territoriale de Corse. Nous avons fait d'ailleurs adopter partiellement cette demande il y a quelques semaines maintenant. S'agissant du remplacement de dotation globale de fonctionnement et dotation globale de décentralisation, d'ailleurs dotation globale de fonctionnement, c'est sur un amendement de Corsica Libre, en échange d'un produit équivalent de TVA. Et c'est très intéressant, pourquoi ? Parce qu'on sait bien que les dotations ne cessent de descendre et que le produit de la TVA ne cesse d'augmenter. Donc nous savons qu'en obtenant cela, nous allons avoir effectivement une évolution positive dans les années à venir. Autre chose, bien entendu, la mobilisation de l'épargne corse. 12 milliards d'épargne aujourd'hui qui sont dirigés vers des opérations extérieures à la Corse, qui sont donc détournées. Et il y a donc, nous proposons dans notre projet, des modalités très précises de mobilisation de cette épargne. Ensuite, évidemment, avoir un autre modèle de développement. Nous préconisons de mettre au centre l'éducation, la formation et l'innovation. Tous les pays qui en ont fait une priorité ont eu des retombées positives dans les années qui ont suivi, y compris d'ailleurs sur le plan financier, parce que lorsque l'on forme sa population, son peuple, c'est quand même quelque chose de positif en soi. Mais en plus, c'est y compris positif pour les finances publiques. Il y a des études de l'OCDE qui montrent par exemple qu'un diplômé de l'enseignement supérieur rapporte 80 000 euros au bout de quelques années aux finances publiques. Donc c'est quelque chose qui est positif à tous égards, et pour notre part, nous plaidons pour mettre l'éducation, la formation et l'innovation au centre de la stratégie, et c'est une manière de préparer un avenir différent pour nos enfants. – Il n'y a pas beaucoup de contradictions sur l'économie. – Pas besoin de plaider pour mettre la formation et l'éducation au centre de la stratégie. On avait débattu pendant 4 ans du PADUC. On l'a adopté. Il est notre loi. Vous y avez contribué. Beaucoup d'autres y ont contribué ici. Par conséquent, aujourd'hui, on va appliquer cette loi. Et tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, c'est quand même le PADUC. Par ailleurs, comme Gilles Simeone... – C'est la contribution au PADUC, je veux dire. – Mais oui, mais chacun y a contribution. – Bien sûr. Et Maria, il y est quand même pour quelque chose. Quant à soutenir la recherche, moi, c'est très bien d'avoir des objectifs de 1%, et je les partage volontiers. Simplement, qui a obtenu du gouvernement 39 postes pour la recherche à l'université ? On y a travaillé, on est allé voir les ministres. Oui, collectivement. Enfin, qui s'est coltiné d'y aller ? Bon, oui, c'est très bien. En période de crise, la seule université française qui a eu 39 postes. Deuxièmement, le contrat de plan est quand même un peu plus important en recherche que ne le voulait le gouvernement. Et enfin, nous avons assuré la soudure des postes de recherche, parce que sinon, l'université est obligée de licencier. Et nous l'avons fait deux fois. Par conséquent, la parole et l'action, en matière d'action, notamment à l'université de Corse. Nous ne donnons des leçons à personne, mais nous pensons vraiment collectivement à ne pas avoir à en recevoir. Ce sont d'abord les luttes nationalistes et ensuite les luttes syndicales, les luttes estudiantines. Un président de l'Université de Corse, Antoine Aiello, pour ne pas le citer, qui s'est enfermé dans une préfecture pendant des jours avec d'autres militants, qui a obtenu des postes. Les promesses n'ont pas été tenues à l'époque. Et je vois une forme de contradiction. Je me réjouis du discours que vous tenez aujourd'hui. Il n'est pas celui que vous avez développé hier, puisque vous étiez extrêmement critique en disant qu'il n'y avait pas de retombées dans le projet MIRT, dans les différents projets, etc., et que vous étiez très déçu. Moi, je crois au contraire, ce qui a fait décoller justement ce partenariat avec l'université, c'est quand même la période avec Nicolas Sarkozy où nous avons aussi créé la première année de médecine. Nous en sommes aussi à créer les postes. Donc, nous en sommes aussi à créer les postes. Nous sommes encore à créer les postes produits par Nicolas Sarkozy. On les a créés cette année. On n'est pas arrivé au bout. En tout cas, réjouissons-nous, sans remonter trop loin en arrière, que l'université de Corse soit là. Réjouissons-nous qu'elle continue d'accueillir des étudiants, y compris d'ailleurs. Qu'elle ait une magnifique bibliothèque universitaire qui était en rade quand on est arrivé. Un partenariat rénové avec l'université qui ne soit pas uniquement sur le plan financier.
Je pense qu'il va falloir utiliser les immeubles qui étaient en souffrance. Il va falloir utiliser l'université justement pour être vraiment au cœur d'un dispositif de développement économique. Yacine Santoni, un mot sur cette question de l'emploi. Une universitaire qui a un travail. Assiduité et énergie. Mais justement, ce n'est pas eux qui sont en cause, c'est à nous d'être beaucoup plus actifs à leur côté et d'avoir une interaction plus forte. Yacine Santoni qui ne s'est pas encore exprimé sur l'économie. J'ai envie de dire, enfin, nous sommes ici 6 candidats. Nous sommes pas, il n'y a pas ici le président, autre chose. 6 candidats. On n'est pas ici pour... être sous la coupe de qui que ce soit. On n'est pas pour ici. Non, on n'est pas ici pour recevoir des leçons. Moi, je n'ai jamais participé à l'Assemblée territoriale. Donc, je suis le plus à l'aise d'entre tous. Je constate une chose. Parole et parole et parole. Une situation existe, qu'on le veuille ou non. La Corse est celle qui a le taux de chômage le plus fort de toute la France. Et notre île, si belle, avec tous les atouts qu'elle a, comment en est-elle arrivée là ? Ça, c'est vrai. La politique française, sans oublier le système capitaliste. Moi, je vous dis pas 22 000. Quand vous avez... La politique française, avec ses déclinaisons et ses relais locaux, tout simplement. Non, non, je vous laisse parler, moi, je vous ai jamais interrompu. Je vous en prie, allez-y. Je n'interromps personne. Je vous en prie, jamais. Et je n'accepte pas qu'on m'interrompe parce que je vais dans mon raisonnement. On dit 22 000 demandeurs d'emploi. Il n'y en a pas 22 000. Il y en a beaucoup plus. Quand vous avez des gens qui ne gagnent que 700 euros par mois, et j'en connais beaucoup, et j'en ai rencontré beaucoup dans toute la Corse, eh bien, ce sont, pas des ce sont aussi des chômeurs. Ce sont des gens dans la plus grande précarité. Et cela, il fallait s'en occuper pendant toute cette mandature et avant cette mandature. Tout le monde est responsable dans cette affaire. Oui, tout le monde, vous êtes tous responsables. Alors moi, pour ma part, si je fais une politique, c'est pour arriver ensuite devant mes électeurs et dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a obtenu. Vous avez fait une chose, vous avez obtenu 25 000 chômeurs dans l'île. Deuxième point, vous avez obtenu une précarité, une pauvreté qui augmente partout, dans, à Ajaccio, à Bastia et dans nos campagnes. Moi, j'ai un témoignage du docteur Pernin qui m'a envoyé un témoignage dont je peux me servir. Je ne m'en suis jamais servi dans cette campagne. Et je salue l'action du docteur Pernin. Il n'était pas parmi mes amis et il est venu vers moi en disant « En gros, vous tenez des propos justes, des propos de justice. » À partir de là, j'entends dire à Jean-Guy Talamone « Corsisation des emplois ». Corsisation des emplois, c'est-à-dire se recroqueviller sur soi-même. On ne gagne pas à fermer les frontières. On ne gagne pas à fermer les frontières. La Corse a besoin d'aller ailleurs, de se faire connaître ailleurs. On a besoin de vendre nos produits ailleurs. On a besoin de vendre notre intelligence ailleurs. Que le vouliez ou non, c'est ça. Ensuite, j'entends parler d'emploi public et, je vois des gens qui veulent opposer les uns aux autres. Nous sommes tous favorables à l'emploi public. L'emploi public en Corse est vraiment nécessaire. Et s'il fallait faire quelque chose, mais que vous pouviez faire pendant 5 ans et avant, combien de fonctionnaires à la collectivité territoriale ? Pourquoi n'avez-vous pas commencé par faire une décentralisation administrative de ces fonctionnaires pour de redonner vie à des secteurs ruraux, à des micro-régions ? Je vous donne un exemple, quelques exemples. Un service de la collectivité territoriale, avec les moyens informatiques actuels, peut être déplacé à Lévis, à Sartène ou ailleurs. 30 personnes qui s'installent dans une micro-région. C'est une micro-région qui revit. Ce sont des foyers qui se fondent. C'est une école qui s'ouvre ou qui ne ferme pas. Mais tout cela, vous ne l'avez pas fait. Alors, moi, je vous dis, nous avons, paraît-il, nous n'avons pas d'idées. Nous avons des idées comme tout le monde. Et des idées applicables immédiatement. Deuxième point. La Corse a un tissu économique très fragile qui repose sur, en gros, les petites et très petites entreprises. Des entreprises qui n'ont parfois que 3 ou 4 employés. Qu'avez-vous fait pour ces petites entreprises ? Rien du tout.
des difficultés de trésorerie qui ne sont pas prises en compte par la banque d'investissement. Brièvement. Moi, je vous le dis. Non, mais que fait-on en quelques mots pour ces TPE avant que nous passions. Décentralisation des services, aide aux très petites entreprises. Et oui, aide aux très petites entreprises. Quand un auto-entrepreneur veut sortir du chômage et qu'on lui refuse 5 000 euros ou 10 000 euros, c'est une honte. C'est une honte pour la collectivité territoriale, c'est une honte pour ceux qui ont des responsabilités. Parlons de transport un petit peu quand même, puisque tout le monde attendait l'épilogue d'un feuilleton, celui de la SNCM. Alors le 20 novembre, Patrick Roque, qui est un entrepreneur insulaire, a été désigné pour reprendre la compagnie. Beaucoup de choses se sont dites dans cette campagne sur la SNCM, sur la reprise. On a tout entendu, le meilleur et le pire. Camille de Rocazer. Non, mais j'aurais voulu réagir par rapport à plusieurs questions, parce qu'on a parlé économie, et pour ma part, l'économie, c'est effectivement des outils, mais pas que des outils, c'est aussi une volonté, une orientation. Est-ce qu'aujourd'hui, les formations sont adaptées aux emplois d'aujourd'hui et de demain ? C'est une adaptation permanente qu'il faut que nous entreprenions, parce qu'on a des filières de formation dans la durée. Or, les emplois sont satisfaits, il faut passer à autre chose. On est dans un modèle qui est en mouvement permanent. – Il faut refondre la carte des formations ?– Qui se renouvelle chaque année. Oui, mais il faut être beaucoup plus adapté à l'entreprise. – Chaque année, on a du mal à le renouveler tous les 3 mois. – On n'est pas encore assez adapté à l'entreprise. – On n'est jamais assez adapté à l'entreprise. – Le deuxième, j'ai entendu parler de beaucoup de choses. J'ai créé les FIP Corse, c'est-à-dire la première levée d'épargne populaire. Il faut savoir qu'il est difficile de lever l'épargne populaire. D'ailleurs, l'épargne populaire qui est levée, elle est surtout levée sur le continent pour s'investir en Corse. La deuxième chose, j'ai permis de modifier le crédit d'impôt, c'est-à-dire de le rendre beaucoup plus malléable et négociable pour justement répondre à des besoins de trésorerie. Et puis, j'ai restructuré la CADEC avec Fanfan Dominge, ce qui permet aujourd'hui de dire qu'on doit passer à une nouvelle dimension. Pour répondre à Jean-Guy Telamone, lever de l'épargne populaire, on a un outil qui s'appelle la CADEC. Il faut qu'elle ait l'agrément. Il faut qu'elle obtienne l'agrément. Il s'est beaucoup développé au cours des 15 dernières années. Oui, mais aujourd'hui, qui ne lève pas d'épargne populaire. 4 milliards dans le coup, pour 10 milliards d'épargne. De garantir la rémunération de cette épargne populaire, la sécurité avec l'État, garantie de l'État, garantie de la Caisse des dépôts qui est dans son capital, et de permettre une levée de fonds pour investir exclusivement, je dis, sur les grandes infrastructures pour donner de la visibilité à nos entreprises dans le BTP notamment. Pour revenir sur les transports, on ne peut pas s'arrêter uniquement au problème de la SNCM. Mais pour revenir à ce qui s'est passé, je le dis très clairement, il y a deux modèles possibles. Il y a un modèle monopolistique et un modèle ouvert. Moi, j'ai privilégié le modèle ouvert parce que je n'ai jamais accepté le modèle monopolistique, qu'il soit public ou privé. C'est-à-dire que le choix de l'entreprise Roque est un modèle monopolistique selon vous ? Je ne conteste pas les qualités de l'entreprise Roque. Ce n'est pas ça la question. La question pour moi aujourd'hui, c'est que lorsqu'on a pratiquement le monopole terrestre, qu'on aurait demain le monopole ADSP, et qu'ensuite on voit derrière qui arrive à pas feutrer ou à pas un peu moins feutrer le problème des déchets, parce qu'on aura le problème d'évacuation des déchets, on voit le modèle. De la concurrence, on voit le modèle. La commission, on voit le modèle. On voit le modèle. Excusez-moi, on voit le modèle qui est en train d'être créé. Pour ma part, non, mais j'ai le droit de faire un choix. Juridictionnel. Paul, je fais un choix qui est simple et clair. Mais je fais le choix que lorsqu'il y a une autorité de la concurrence, je dis mon choix. Un choix qui n'est pas fondé. Je ne dis pas que le tribunal, dans sa réponse, le tribunal a donné une réponse qui me paraît assez étonnante, puisque ce qui n'était pas possible en juin devient possible en novembre, ce qui est assez étonnant. C'est la justice de votre pays. Oui, bon, écoutez, la justice. Vous comptez une décision de justice. Heureusement qu'il y a une justice dans ce pays. Personne n'a fait appel, d'ailleurs. Mais il se trouve que il se trouve qu'une justice et la République nous offrent quoi ? C'est qu'il y a la justice et il y a des degrés d'appel et de juridiction. Mais pourquoi ne pas avoir fait appel ? Il y a même la justice. Écoutez, ça, c'est pas avoir fait appel. Je ne suis pas ni le pétitionnaire, ni le détenteur de l'autorité. Par contre, j'ai le droit de dire que ce modèle-là ne convient pas, à mon avis, parce que c'est un modèle qui est captif. C'est un modèle qui ne garantit pas demain une liberté des prix. Si je dis que le mot essentiel pour moi en économie, c'est le mot liberté, eh bien 130 à 140 entreprises corses garantissaient par la diversité, je dirais, entre les transporteurs, les distributeurs, les producteurs, qu'il y avait un modèle global. Mais elles n'avaient pas les financements, elles n'avaient pas le projet et elles n'avaient pas les partenaires. Bon, ça fait quand même un peu quelque chose d'embêtant. On en reparlera dans quelques semaines ou quelques mois. Nous sommes dans un modèle concurrentiel. On verra les conséquences pour la Corse. Non, mais je suis très clair. Nous avons un modèle concurrentiel puisqu'il y a un appel d'offres qui est ouvert, qui pour la première fois est un appel d'offres qui est accepté
dans son cahier des charges, dans ses dispositions, dans son calendrier par l'Union européenne et le commissaire à la concurrence, qui nous l'a écrit, on a pu le montrer aux salariés, et ce sera ligne par ligne, et personne ne sait, à ce jour, qui l'emportera. – Et c'est un modèle, une décision qui vous convient, Paul Jacob ?– Mais tout à fait. C'est-à-dire un modèle concurrentiel et de service public. Et de service public. Je suis en désaccord globalement avec ce qui vient d'être dit. Par qui ? Par Paul Jacob ou Camille de Rocazé ? Par Paul et par Camille. C'est une évidence. Tous les matchs nuls, balle au centre avec Dominique. Balle au centre. Je ne sais pas si vous êtes en jeu. En tout cas, je vais bien dire ce que je vais dire. Et moi. Un, les votes que nous avons émis en tant qu'entité politique à l'Assemblée de Corse. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est constant et c'est d'une clarté aveuglante. On est pour le service public de la continuité territoriale. Point. Je passe sur les intermédiaires que nous avons connus, les prises de position des uns et des autres, la mise en valeur des low cost, c'est une évidence, et en matière aérienne et en matière maritime. Et on arrive maintenant à la situation où, effectivement, quoi, avec 8,8 millions d'euros, on embauche 880 millions d'actifs. Ce qui est proprement un scandale, parce que normalement, c'était quand même de l'argent et de l'argent public grandement, et qu'il est nécessaire de revisiter un petit peu. C'est quand même, on ne peut quand même pas parler des transports maritimes sans parler de la suppression d'emplois. On va se retrouver bientôt au 1er décembre avec 600 emplois supprimés. 560. Donc, c'est quand même un petit problème. Lorsqu'on sait malheureusement la situation que la Corse connaît à ce niveau-là, la moindre des choses, c'est qu'on peut prendre réflexion. Moi, je reçois des gens qui habitent à Fa, qui habitent Basteligace, qui ont une petite villa de rien du tout, une femme qui ne travaille pas, deux enfants, qui sont désespérés. Désespérés parce qu'ils vont partir au chômage. Donc dans ces conditions-là, c'est la même position que nous avons et que nous avons depuis toujours. Et en même temps, je veux dire, on ne va pas nous expliquer qu'il va falloir après déspécialiser l'enveloppe, avec tout ce que cela comporte. Il faut bien faire attention, parce qu'en s'agissant... Pardon ? La rente fongible pour investir dans les domaines cruciaux. Elle l'est déjà, et nous avons fait 12 millions d'euros d'économies par an au lieu de 8 millions de déficit. Oui, et nous pouvons investir grâce à cela, c'est la bonne gestion. Dominique, pour le reste, moi je suis pour le service public, simplement il y a des règles européennes. Elles sont imposées par le traité de Rome. Et par conséquent, il vaut mieux avoir une délégation de service public qui soit conforme au traité de Rome et acceptée par Bruxelles. Parce qu'on ne changera pas le trésor. Jean-Guy Talamogne, vous plaidiez pour... Oui, finissez. Non, non, mais alors Jean-Guy, puis après je vais reprendre. Vous plaidiez pour la compagnie régionale, elle est passée par pertes et profits. Nous, pour notre part, nous pensons que la seule solution raisonnable, c'est celle-là. Nous nous réjouissons de voir des entrepreneurs corse, Corsica Maritime, l'entreprise Rook, qui s'investissent, bon, d'abord au service de leurs intérêts, ce qui est normal, on ne leur demande pas d'être des philanthropes, et puis indirectement au service de l'économie de la Corse. Mais sur le risque de concentration dont faisait état Camille de Rocazé, on n'avait pas de crainte particulière. Ça, effectivement, c'est quelque chose de préoccupant et il faut à cet égard effectivement faire attention à ce qui est en train de se passer, mais de manière générale, il s'agit d'un secteur stratégique, comme d'ailleurs les transports aériens. Pour nous, ces secteurs stratégiques doivent, à un moment donné, faire l'objet d'un service public. Comme ça a été le cas pour l'aérien, ça fonctionne parfaitement. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous plaidions, comme vous disiez à l'instant, mais nous plaidons toujours pour une compagnie maritime publique de la Corse. Pour nous, la solution doit être publique. À la différence de ce que dit donc Dominique Bocchini, pour nous, nous sommes pour une solution publique, mais corse. Nous ne sommes pas pour une solution privée corse, ni pour une solution publique française. Nous sommes très clairs et avec une constance depuis plusieurs décennies, nous disons qu'il faut cette compagnie, et bien entendu, cette compagnie doit être une compagnie d'exploitation, et non pas uniquement une compagnie financière, comme celle que vous nous avez proposée il y a quelques semaines. Donc, je sais que ce désaccord est ancien, il a été acté en séance publique. Parce qu'il ne s'agissait pas de ce que l'on appelle généralement la compagnie régionale, hein, bon, nous ne l'appelons pas régionale, nous pensons que c'est une compagnie nationale, mais ce qui nous a été proposé à l'Assemblée, puisque bon, je veux dire, ça fait partie. Nous avons voté contre parce qu'il ne s'agissait pas d'une véritable compagnie régionale d'exploitation. Il s'agissait uniquement d'une compagnie financière. Donc c'était très différent de ce que nous préconisons depuis des décennies. Alors, Dominique Bouquin et après Gilles Siméon et sur. Ah, je veux dire, par rapport à ce que disait Camille tout à l'heure sur la liberté, c'est pas la liberté, c'est la liberté du renard dans le poulailler. Parce que vous mettez de côté les objectifs bruxellois de concurrence, de compétitivité en permanence. Vous faites croire aux gens
qu'effectivement, de cette manière, en étant ouvert, parce que vous, vous êtes ouvert et nous, on est bien sûr fermé, par principe, ça, c'est une évidence, quoi, que le prix du billet va baisser, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'à regarder depuis un certain nombre d'années avec ce que nous avons vécu, si c'est quelque chose de vrai. Deuxièmement, sur la DSP pour le ligne par ligne, on prend les paris. Pianamente, ben on va arriver à la deuxième vague de licenciement. C'est obligatoire que ça arrive comme ça. Troisièmement, moi, d'un point de vue fondamental, c'est normal avec l'entité politique qu'elle amène. Je défends les salariés de la SNCM et je défends les salariés d'Air France. Air France... Camille, deux secondes. Non, mais j'ai regardé les échos. Vous ne lisez jamais l'humanité. Je n'ai encore rien dit. J'ai regardé les échos. Vous ne lisez jamais l'humanité. Vous lisez aussi le Figaro. Et je lis aussi le Figaro. Vous jamais. C'est interdit. Vous ne pouvez pas. Écoutez, c'est du totalitarisme. L'an dernier, la compagnie Air France KLM a fait 18,5 millions d'euros bénéfices. Cette année, 286,8 millions de bénéfices. Résultat des courses, on met aussi des gens dehors, des gens dehors, des gens dehors. Dans un pays qui souffre, et c'est la première vague de licenciement, j'ai reçu les syndicats. À Air France, 75 à Bastia, 75 à Ajaccio. Et ça va continuer. Alors, il n'y a qu'à continuer comme ça, les gens se doivent de réfléchir pour défendre fondamentalement le service public dont la Corse a besoin. Gilles Simeone, sur le dossier des transports maritimes et le choix de l'entreprise. Partons du social pour retrouver ensuite une perspective globale. Le social doit être au cœur de nos choix, et notamment lorsqu'on parle de suppression d'emplois dans le domaine maritime ou de perspectives de suppression d'emplois dans le domaine aérien, cette préoccupation nous est commune. Vous avez reçu les personnels d'Air France, je l'ai fait également. Je les ai assurés que nous serions à leur côté pour réfléchir à la stratégie à mettre en œuvre pour que les décisions qui seront prises par le groupe Air France n'aient pas d'impact social insupportable en Corse. Ça, c'est une évidence. Mais c'est une difficulté que nous avons devant nous. Mais c'est une préoccupation majeure. Avant les élections, on peut tout promettre. Je les ai reçus moi aussi, mais je leur ai proposé des choses concrètes sur l'augmentation de l'activité. D'accord. Oui. Moi aussi, mais vous savez, ne prêtez pas aux autres des turpitudes qu'on pourrait retrouver chez vous. Ce n'est pas parce que nous, nous recevons des gens avant les élections que nous leur proposons quoi que ce soit, et encore moins n'importe quoi. Donc, ceci étant, je continue, moi, sur les transports maritimes, c'est un scandale. C'est un scandale sur la longue durée. Pendant des décennies, la Corse a été otage d'un monopole qui nous a mis à genoux, qui était une façon de penser les rapports dans une verticalité qui a ruiné l'économie de la Corse, un peu comme au XIXe siècle, les lois douanières, qui étaient des lois coloniales, ont mis à néant l'économie de la Corse en détaxant tout ce qui était colonial à l'époque. Plus défavorable. En détaxant tout ce qui était importé en Corse et en surtaxant tout ce que nous exportions. Donc on nous a mis à genoux économiquement sur la longue durée. Sur la durée de la mandature, nous avions demandé en début de mandature et nous avions reçu un accord de principe, une analyse poussée, approfondie sur les conditions de faisabilité juridique, financière et technique d'une véritable compagnie publique. Nous n'avons jamais eu ce rapport. Vous avez recruté une personne dédiée. Je vous en prie. Alors, pour faire une compagnie maritime, il faut des bateaux. Donc on a proposé de pouvoir acheter des nouveaux navires. Si vous nous avez donné cette étude ou pas. Deux. Nous avons fait des études juridiques poussées. Personne et vous les avez eues. Où sont-elles ? Vous ne lisez pas votre courrier. Excusez-moi. Écoutez, nous sommes tous ici à n'avoir pas lu notre courrier parce que personne n'a eu le rapport. Ces analyses juridiques. Vous indiquent de manière très claire. Je pose une question publique. Une compagnie fut-elle publique, et encore plus si elle est publique, doit répondre à l'appel d'offres à égalité avec les autres. Elle n'est nullement garantie d'emporter le marché. Donc il faut des bateaux d'abord, et il faut ensuite passer l'appel d'offres. Nous avons proposé, d'acheter des bateaux. Vous l'avez refusé. Très bien, nous reviendrons sur ce sujet. Et deuxièmement, il faudra respecter l'appel d'offres, quelle que soit la forme juridique de la compagnie, sauf si c'était une régie. Et encore, même dans ce cas-là, l'Union européenne nous a répondu. L'Union européenne nous a répondu par écrit et je vous ai transmis la lettre.
Alors finissez, Gilles Simeone, après on passe à un autre sujet parce que le temps passe. Et la réalité, Gilles, c'est que vous avez changé d'opinion parce que vous défendiez Corsica Maritima, ce qui était votre droit d'ailleurs. Tout à fait votre droit. Écoutez, vous aviez un candidat. Allez, finissez, Gilles Simeone. Nous défendons le principe et nous avions une position qui était connue depuis fort longtemps, mais qui a été, c'est vrai, à un moment donné combattue de manière opiniâtre par votre exécutif et par le président de l'Office des Transports. Et y compris en faisant semblant de faire procéder à une étude, et ça c'est vrai que je peux en témoigner, je faisais partie de cette commission, M. Bartoli a d'abord mis quasiment un an pour réunir la commission pour la première fois. Non, franchement, ce dossier-là a été saboté de manière délibérée. La situation actuelle telle qu'entérinée par le jugement non définitif à ce jour du tribunal de commerce de Marseille n'est absolument pas satisfaisante. Nous disons clairement qu'il y a aujourd'hui une situation de monopole vertical qui est en train de se créer, que ce monopole vertical embrasse effectivement le domaine des transports routiers, des transports maritimes, même du foncier, puisque une convention avait été projetée. Mais l'autorité de la concurrence se prononcera en son temps. Clairement, en tant qu'élu de la Corse, moi j'ai le droit de dire qu'il y a des systèmes qui ne me conviennent pas, a fortiori quand ils se prolongent dans les déchets. Ceci étant, la CTC a vocation à reprendre la main. Nous devons repenser la continuité territoriale, y compris dans un cadre européen. Nous devons avoir effectivement une compagnie, que ce soit dans le cadre de la propriété des moyens d'exploitation, que dans les conditions d'exploitation, une compagnie dans laquelle l'intérêt public sera garanti et défendu, ce qui n'est pas le cas. Quelle que soit la forme juridique de la compagnie, c'est une lettre de Mme Vestager qui nous l'a indiqué et vous avez ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et je termine sur le domaine des transports. Quand je vous entends vous prévaloir de qualité de gestionnaire, je voudrais quand même rappeler l'affaire du Pélican. Expliquez l'affaire du Pélican parce que pour les téléspectateurs c'est peut-être un peu compliqué. On a affrété un bateau, anticipé une grève, on l'a payé par avance, il n'a jamais servi, il n'y a pas eu de grève et ça nous a coûté 2 millions d'euros. S'il n'avait pas été là, on détruisait la filière des clémentines. Voilà, et j'en suis très fier. Pas tous en même temps, Camille. Il a servi. Préventivement. Pas préventivement. Hier, vous avez affirmé qu'il a servi d'ailleurs pour transporter les clémentines les dernières. Il n'y avait pas de grève à ce moment-là. Il a été une demande des organisations agricoles unanime. Alors et des agriculteurs. Vous aviez une autre possibilité, c'était de défendre le projet qui était le nôtre. C'était de faire un service public minimum garanti, qui aurait coûté 0 euro. Vous avez payé chaque fois la SNCM quand elle faisait grève. Comme il y en existe dans l'aérien. Je suis la seule mandature qui n'ait pas payé la SNCM quand elle faisait grève. Ça nous a économisé 8,5 millions d'euros. J'ai juste une question. Entre la maturisme et ces jours-ci, nous ne payons pas. Écoutez, quelle autorité corse qui a soutenu la compagnie? Parce que dans les attendus du tribunal de commerce, ça fait une polémique. Est-ce qu'on peut éclairer la polémique dans le dossier figure. C'est vous, non? C'est pas vous. Non, il y a des lettres dans le dossier qui figurent et qui indiquent que nous n'avons défendu personne. À part l'offre de M. Garin, qui était une escroquerie. Le procureur l'a reconnu. Il y a une lettre de Jean-Jacques Panout, il y a d'autres lettres. Il y a une lettre de soutien très fort de Laurent Marcangé, de manière très claire. Les autorités corses. Les autorités corses ne peuvent pas s'entendre, les élus de la Corse. Les autorités sont les autorités concédantes. Il y a des preuves dans le dossier, donc vous ne pouvez pas continuer, il faut être sérieux. Oui. Il y a les éléments du dossier, il y a les lettres des autorités corses de la région qui disent on ne soutient personne, et il y a des lettres d'un certain nombre de gens qui ont soutenu. Dans une procédure qui n'avait pas abouti. Moi, je le dis et je le répète, il ne s'agit pas aujourd'hui de montrer qui que ce soit du doigt. Il y a des entrepreneurs, y compris M. Rouque, qui défendent leur entreprise et c'est tout à fait leur droit. Anglais qui dit l'impartialité, elle ne doit pas seulement être faite, elle doit également être montrée. Le problème, c'est que vous vous mettez dans des conditions qui conduisent à un climat qui est un mauvais climat. Lorsque vous avez le même entrepreneur qui successivement est attributaire de la SNCM, le même groupe qui se voit proposé par votre exécutif, qui se voit conféré par votre exécutif un contrat de location à 1,5 million d'euros par an pendant 12 ans. Et qu'enfin, il y a un contrat. Mais parce qu'on s'y est proposé, M. Jagor. Parce qu'on s'y est proposé. On l'a soumis.
soumis à l'Assemblée. Le fait-moi oui, sans parce, consultation. Oui, mais vous aviez me donné d'autres idées, je n'ai pas vu arriver. L'intention alors suffisait. Alors que cela a impacté terriblement le centre-ville d'Ajaccio, alors que cela impacte les conditions de travail des personnels, vous n'avez même pas consulté les organisations syndicales, nous y sommes opposés, vous aviez tellement envie de le passer que vous l'avez proposé trois fois. Et on les a présentés en CRP et en CTP, et moi j'ai bien entendu les explications qui ont été données. Quand on retrouve le même type de problème dans plusieurs secteurs pour des sommes très importantes, ça crée un climat qui n'est pas un climat serein. Mais vous devriez et il ne faut pas se mettre dans ces conditions-là. Vous devriez saisir l'autorité de la concurrence. Elle n'est pas de votre avis. Monsieur Jacob, je voudrais intervenir un peu. Bon, il est loin d'être serein le climat. Revoir la continuité territoriale, c'est une nécessité. Ce qui m'étonne en tant qu'ancien élu, et j'ai été élu à la région PACA, quand on parlait des trains ou des transports ou autres, les débats avaient lieu à l'intérieur, en commission, en séance plénière ou autre. Ici, on a un débat pendant la campagne électorale. Or, que je sache, M. Jacobi, on a parlé sans arrêt pendant des semaines et des mois, on a parlé de consensus à tout. Mais alors, sur tous les plans, consensus sur le PADUC, consensus sur la co-officialité, sur la langue, sur tout. Et ce consensus aujourd'hui, moi, n'ayant jamais participé à vos travaux, je me mets à la place de nos compatriotes, je me mets à la place, là je suis d'accord avec Dominique Bouchini, avec ces salariés qui craignent pour leur emploi, qui vont vivre le chômage, qui vont vivre la dépression nerveuse, la maladie, les séparations peut-être dans des couples, je me mets à leur place et je pense à eux. Ce discours aujourd'hui-là, il est négatif. C'est-à-dire que ces gens veulent entendre de vous quelles sont vos responsabilités, qu'est-ce que vous avez pris comme responsabilité, quelles sont les mesures que vous avez prises. Moi, ce que je sais, c'est que si la SNCM en est arrivée au stade où elle est arrivée, il y a des responsables. Il y a des responsables à tous les niveaux, à commencer par certains syndicats irresponsables qui, en période touristique, déclenchent une grève de plusieurs semaines qui coûte 150 millions d'euros à l'économie corse. Ensuite, il y a des responsables au niveau de la gestion, à l'Office des transports ou autres, qui n'ont pas pris la décision. Et maintenant, il y a des responsables. Il y a des responsables maintenant pour l'attribution. Et je me suis félicité le premier, Camille, avant toi, de ces entrepreneurs corses qui excédaient de voir des grèves se déclencher à chaque fois qu'il y avait une période de pointe, soit pour les agrumes, soit pour la période touristique, se sont levés en disant « on va prendre nos responsabilités ». À partir de là, ça a bougé. Maintenant, je n'entre pas dans les dossiers au cas autre. Ce n'est pas mon problème. C'est à la justice de faire le nécessaire. Mais je veux dire, vous aviez la responsabilité des transports entre les mains. Vous ne l'avez pas assumé. Vous êtes bien sévère, M. Santoni. Mais je vous rappelle quand même que ce n'est pas moi qui décide à la place du tribunal de commerce. Et je dis et je répète que si quelqu'un a envoyé des lettres, s'est prononcé par écrit, et c'est en cela que le juge commissaire l'a repris, ce sont des gens qui me sont tout à fait étrangers et qui ne m'ont pas consulté là-dessus. Il y a dans le dossier, à plusieurs reprises, une dénonciation claire d'une offre, celle de M. Garin, constitutive d'un abus de biens sociaux. Et il y a, en revanche, deux ou trois lettres officielles de ma part répondant à la demande du tribunal ou des administrateurs judiciaires indiquant les raisons pour lesquelles nous ne nous prononcions pour aucune offre en particulier, ni des unes ni des autres. Voilà, les choses sont claires. Honnêtement, je ne tire pas de conséquences définitives. C'est irresponsable de déclencher. Non, mais moi je pense exactement le contraire. C'est irresponsable, Dominique. Il faut le reconnaître. Il faut le social qui est un des plus généreux et un des plus justes que la France ait jamais connu avec 128 000 euros par salarié. Malheureusement. On est quasiment à la fin du feuilleton. Oui. Il faudra que la collectivité territoriale de Corse reprenne la main et reconfigure la collectivité territoriale et se donne les moyens d'assurer la garantie de l'intérêt général. Monsieur, un dernier mot en matière économique, pardon, avant de passer aux institutions et à la politique. Sur les déchets, nous avons connu donc une crise qui n'est pas terminée. Que les CET, les centres techniques d'enfouissement, arrivent pour la plupart à saturation. On passe des marchés pour éventuellement, donc quand je dis on, c'est le CIVADEC, pour éventuellement exporter une partie des déchets, marchés dont deux ont été retoqués cette semaine d'ailleurs. Camille Drocazière, quelle solution à cette crise des déchets ?
Non, mais déjà, on le voit, heureusement qu'ils sont retoqués, parce que l'appel d'offres qui se termine en marché de gré à gré, c'est quand même assez étonnant. Mais, si vous voulez, moi, je trouve un peu réducteur de parler de la politique des transports uniquement sur la SNCM. La politique des transports, c'est quelque chose de bien plus large. Oui. Il y a la politique de l'aérien, il y a le maritime en général. J'ai des propositions à faire, nous avons des propositions à faire, notamment par la suppression progressive de la taxe des transports pour favoriser l'accession de la Corse à l'ensemble des clientèles. L'ensemble, je sais bien, c'est en 91. C'est l'équivalent de 37 millions d'euros. Oui, 37 millions d'euros. Mais là, pour reprendre globalement des chiffres, vous avez la taxe, trois recettes de la collectivité territoriale. La taxe sur les transports anti-économiques. La taxe sur les tabacs, les accises sur les tabacs, qui a une durée limitée. Générer, on pourrait la troisième taxe, c'est sur les alcools. Il faut absolument négocier effectivement un transfert de TVA pour résoudre ce problème. Mais nous allons diminuer progressivement la taxe sur les transports pour favoriser l'accession à la Corse de compagnies low cost, et j'ose le dire, ce qui n'exclut pas de sécuriser effectivement sur le service public de base, c'est-à-dire sur le bord-à-bord principalement, qui est pour moi le retour à des fondamentaux, en baissant les tarifs résidents fortement, nous avons commencé à l'engager, il faudra le poursuivre, avec Air Corsica et Air France sur Paris, mais en même temps, c'est d'ouvrir le ciel de la Corse. Est-ce que vous comme savez, cela six existe, mois par an, ce que représente le non-service public aérien 2% six mois par an. Non, mais attendez. Et le service public aérien, c'est 98%. Le modèle que nous avons en ce moment est un modèle malthusien qui coûte cher et qui laisse des tarifs trop élevés. Nous allons baisser les tarifs. C'est la raison pour laquelle nous avons signé une DSP que je prends. Attendez, vous êtes très en avance sur tout le monde. Alors laissez finir Camille de Rocazer. Après, Jean-Guy Talamone. Nous allons favoriser la Corse parce que si l'on veut avoir une économie pérenne, durable et non plus saisonnière, il faut ouvrir le ciel de la Corse, notamment à l'ensemble de l'Europe. Et ça, c'est pour nous une orientation fondamentale. La deuxième chose, c'est pour revenir aux déchets. Effectivement, on est dans un système absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'on a favorisé l'enfouissement des déchets. C'est-à-dire que rien n'est pire que cela. Je vous signale que vous avez voté le plan. Oui, on a voté le plan. Oui. Tout le monde a voté le plan. Tout le monde a voté le plan à un moment donné. Par contre, c'est clairement opposé à l'enfouissement. Bon, sans succès. Ah non, mais c'était dans le plan. À force de tourner en rond, on ne veut pas de l'incinérateur, on ne veut pas de la thermolyse, on veut de rien. Moi, je suis d'accord. Vous avez voté le plan, il ne fallait pas le voter. Est-ce qu'on voyait ces déchets sur le continent, c'est une solution aujourd'hui? Non, ce n'est pas une solution. C'est une solution pour créer justement un monopole, le système qui est mis en place. C'est un système extraordinaire, captif, l'usager est captif, le contribuable est captif, le client est captif dans ce système-là. C'est un système global. C'est ceux qui ont combattu pendant des années des DSP du style Veolia ou autre, on est en train de reconstruire un modèle identique. Simplement, il serait corse. Sauf qu'il est autant prédateur pour moi que le système qui vient de l'extérieur, celui-ci. C'est un modèle que je refuse. Jean-Luc Catalan, vous avez temps de parole en deçà. Alors, sur la question des déchets, donc bien sûr, la question du tri à la source, parce que pour nous, c'est véritablement la base de la politique à mettre en œuvre. Le tri à la source, vraiment, avec les moyens qu'il faut, ça représente certes un investissement au début, mais cet investissement ensuite était tout à fait rentable, puisque le recyclage donc, des produits qui sont collectés permet à un moment donné, y compris, de rentrer donc, dans ces investissements. Ensuite, il y aura des déchets ultimes, évidemment, et on le sait. Pour ces déchets ultimes, nous préconisons la création de 4 ou 5 centres d'enfouissement, 4 ou 5 centres d'enfouissement, et de préférence bien entendu à proximité des lieux de production des déchets, et surtout que tout cela soit géré par le public, parce que sinon alors on va assister à des dérives considérables, et notamment à des dérives mafieuses. Le traitement des déchets est déjà un marché en soi, capté par quelques entreprises. Mais nous sommes précisément pour que ce marché soit confié au public, et véritablement il s'agit là d'un dossier extrêmement sensible, et il y a une impérieuse nécessité de voir le public s'en emparer totalement, parce que sinon nous allons avoir véritablement des drames. Gilles Siméon et Dominique Bouquinard. Nous sommes d'accord sur l'impérieuse nécessité d'en sortir, mais on ne peut pas balayer d'un trait de plume où nous sommes aujourd'hui, pourquoi nous y sommes et comment nous y sommes. Nous, la première conférence de presse que nous avons faite au début de la mandature, c'était pour dire nous sommes dans un système d'enfouissement généralisé qui est ruineux écologiquement, économiquement, qui va nous conduire dans une impasse lorsque Talon notamment arrivera à saturation. Et ce système ne fait les affaires que d'un certain nombre d'intérêts qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général. Et ça a continué, et ça s'est aggravé. Je veux dire, on paye aujourd'hui beaucoup plus cher qu'ailleurs.
de façon mécanique, ce sont les collectivités et bien sûr les contribuables qui voient les usagers qui voient la taxe des enlèvements des ordures ménagères augmenter de façon mécanique, alors que le coût est anormal avec des surcoûts en matière de transport. La cerise sur le gâteau aujourd'hui, c'est qu'on passerait de 145 euros la tonne alors que la moyenne nationale est de 85 euros à 300 euros si on exporte sur le continent, ce qui serait véritablement une régression catastrophique. C'est ce qu'accepte une majorité de communes qui sont adhérentes du SIDA et du SIVALEC. On est otage d'un système qui nous a conduit dans l'impasse, comme il a conduit dans l'impasse des populations qui sont exaspérées à Prunelli, à Talone, ou à Vico, ou à Vigianello. Et il faut en sortir impérativement. Mais lorsque vous lisez le rapport de la Chambre régionale des comptes, on va finir par croire qu'il n'y a pas de responsable à cette situation. Les responsables sont ceux qui avaient à gérer cette affaire. Qu'est-ce que nous y pouvons, nous qui n'avons jamais eu d'autre moyen que de nous exprimer publiquement, si depuis 10 ans, le choix qui a été fait, c'est de ne pas mettre en œuvre le tri. Donc vous renvoyez dos à dos la droite et la gauche. Oui, nous disons, nous voulons le tri, mais pendant ce temps, pendant plus d'une décennie, eh bien, des fortunes se sont construites de façon anormale sur l'enfouissement généralisé au détriment de l'intérêt général. Et il faut aller déjà au fermenticide, puisque 40% du déchet, c'est les fermenticides, et faire du compost. Ça ne l'est pas d'aujourd'hui. Le pied de mât. On en a discuté longuement, une fois, deux fois, trois fois. Il a été soumis à des votes de l'Assemblée de Corse. Je ne suis pas sûr que chacun ici se souvienne des votes qu'il a émis. Alors pour mémoire, Dominique Bouclier, le pied de mât, je n'ai pas fini. Mais expliquez ce que c'est. Je n'ai pas fini. Non, vous êtes à peu près comme lui, en même temps que lui. Voilà, à peu près. Donc après, puisqu'il faut trouver une solution, on ne peut pas oublier quand même, quels que soient les avatars passés, ça n'arrive toujours que d'un côté, les avatars. Ça n'a jamais arrivé de l'autre côté. Mai, Maglavu, c'est Alvola tutti. Bon. Le 17 juillet, on a voté tous une délibération. À l'unanimité. Pour en sortir. Voilà. Avec quoi ? Pour essayer d'en sortir et pour avancer. Essayons donc, par rapport à des problèmes sur lesquels on sait très bien. On avait voté le trimécano-biologique à l'unanimité aujourd'hui aussi. Oui. Et ça nous a été refusé. Mais écoutez. Ce qui nous a été refusé aussi, Camille, je ne vais pas être cinglant. Je vais essayer d'être académique. Soyez-le. Voilà. Non, je ne vais pas l'être. Bien. Il y a quand même des élus qui peuvent voter éventuellement oui à l'Assemblée de Corse, revenir dans leur commune et avoir des positions un tant soit peu différentes. Parce que chacun... C'est une évidence. Ça s'appelle lorsque Jean-Guy me donne raison, ce qui est constatation. Rare, c'est qu'effectivement, il sait. Donc. Et en même temps, lorsqu'on veut essayer de faire quelque chose, on est toujours oui sur le plan du principe. Après, si ce quelque chose est chez moi, dans ma commune, on dit, écoute, oui, d'accord, mais tu ne peux pas le mettre dans la commune à côté, mais ce ne serait pas bien. Donc, vous pointez, Président, un vrai problème, mais donc, ce vrai problème qui existe et qu'on doit gérer tous ensemble ne peut pas nous détourner de la réalité qui est catastrophique. On ne va pas être très politicien à la veille d'un scrutin. Essayons un petit peu d'être raisonnables, puisqu'on a réussi à converger. Continue à converger à partir de la délibération du 7 juillet. Voter à l'unanimité. Alors on quitte la partie économique. On aura le droit de reprendre ce débat. Non. On quitte la partie économique pour parler maintenant des institutions. Alors la mandature nouvelle. Attendez. La mandature va être marquée par la. Attendez, laissez-moi mener les débats. On va parler maintenant des institutions avec la mise en place de la collectivité unique. Ça va être le grand chantier des deux prochaines années. Alors il va falloir trouver des consensus pour l'heure. On en est loin. Chacun a sa conception de la nouvelle architecture. Alors, faut-il créer un établissement public de la CTC, c'est-à-dire une instance non élue, ou alors une deuxième assemblée élue qui représenterait les territoires Paul Jacobi, votre position, c'est plutôt un établissement public. Ce que nous avons obtenu, parce que, c'est d'abord qu'on ait ce vote. Parce que si on n'avait pas fait la collectivité unique, on serait été en tension, on nous aurait dit il faut se rapprocher de la région PACA. Et moi, ce Santoni m'en voudra, mais la région PACAC, ça ne m'aurait pas convenu. Bien. Vous avez voilà, très bien. Le deuxième mot que je suis. Voilà, tout à fait. Mais je crois que chacun est d'accord là-dessus, mais au sein de l'État, au sein du gouvernement, un certain nombre de gens en étaient favorables. Donc, là-dessus, on s'est mis d'accord, un certain nombre d'entre eux, pas tout le monde, se sont mis d'accord sur la collectivité unique. Et ce que nous avons obtenu du gouvernement, c'est de pouvoir discuter
les termes de l'ordonnance, la co-rédigée entre le gouvernement et nous. Je suis favorable à une représentation des territoires. Simplement, il faut la représenter à travers la loi, et ça n'est pas si facile que ça. – Une instance élue ?– Je préférerais personnellement une instance élue, de mon coup. – Jean-Guy Calamone. – Alors, en ce qui nous concerne, bon, nous avons été favorables pendant des dizaines d'années, nous avons demandé la collectivité unique, donc nous y sommes favorables, nous regrettons simplement que c'est la seule réponse positive qui a été formulée par le gouvernement français à toutes les demandes de l'Assemblée de Corse depuis 5 ans. Maintenant, cela dit, nous sommes pour… – Voilà. Le Paduc, on n'a pas besoin de leur accord, hein, c'est notre Paduc. – S'il fallait une loi. – Non, mais enfin, oui, non, d'accord. – Il manquerait plus qu'ils nous refusent même ce qui est prévu par la loi. – Tout à fait, c'était le gouvernement Fillon, effectivement, et on a obtenu la loi. – Donc, je reprends, s'agissant donc de cette collectivité unique qui est la seule réponse positive qui relevait véritablement de la responsabilité du gouvernement, la seule réponse positive, donc évidemment, nous enregistrons cela avec satisfaction. Ensuite, sur la représentation des territoires, nous y avons toujours été favorables, et d'ailleurs dans nos projets depuis des années figure une chambre des provinces, hein, qui est une chambre des territoires, parce que nous estimons qu'il faut aussi une représentation. Alors, notre projet initial est très loin de ce qu'a voté l'Assemblée à la fin, notamment l'introduction des intercommunalités à la demande d'ailleurs de la droite. Nous avons trouvé un accord politique à l'Assemblée de Corse, un accord politique très large qui a permis de voter dans de bonnes conditions cette délibération. Et nous, aujourd'hui, nous défendons, parce que nous sommes loyaux, nous défendons ce qui a été voté par l'Assemblée de Corse, puisque nous avons tous fait un pas vers les autres pour arriver à cet accord. Non pas au consensus, hein, M. Santoni, mais à une majorité très forte en faveur d'une réforme. Pas de consensus. Il a volé un éclat. Consensus, c'est autre chose. Non, mais il n'y a pas eu de consensus. Hein. La droite a voté contre, à part ce dossier-là, a voté contre la quasi-totalité des dossiers. Je pense notamment à la langue. Ils n'ont pas voté la co-officialité. Le statut de résident, c'était une hostilité permanente. Oui. Il y a eu donc de la. Le Paduc. Le Paduc. Le Paduc, c'est quand même très intéressant parce que le Paduc, c'est vraiment la logique de développement. Et la droite, il faut quand même, je veux dire, on est sur le savoir, il faut que ce soit dit. Oui, voilà. Donc, vous savez, la droite est toujours sur la position de l'ancien Paduc. Donc nous allons y revenir. Nous sommes favorables à ce Paduc. Oui, non, mais nous allons y revenir. Sur la collectivité unique, Dominique Bouquet, vous êtes fondamentalement opposé à toute collectivité unique en Corse. Les collègues qui sont ici savent très bien que la position est une position très claire et constante. On fait semblant de discuter en interne sans revenir à ce que Gilles qui m'a repris disait. Tout ça, c'est sur fond de directives européennes, de mise en concurrence des territoires, au nom évidemment de la compétitivité. Croire que c'est neutre, ce n'est pas neutre du tout. Et ce n'est pas du tout démocratique de mon point de vue. Un, les Corses devraient quand même réfléchir. En 1982, 91, 2001, 2002, on a eu une loi. Là, on n'a pas de loi. On est rentré par le biais d'un amendement dans la loi NOTRe, ce qui veut donc dire que ce n'est pas tout à fait pareil par rapport à ce que nous avons connu. Il faut un référendum. Deuxièmement, le référendum, ça vaut la toute, mais je n'ai pas fini là-dessus. Deuxièmement, un, ce n'est pas de la décentralisation, c'est la concentration d'un pouvoir aux mains de l'homme. Le futur président du conseil exécutif va être le patron incontesté. Dans une le roi de Corse, avez-vous dit. Pardon ? Le roi de Corse. J'allais le répéter. C'est le nouveau roi de Corse. Autrement dit, quoi ? On est dans une situation où, par rapport aux valeurs de la République, Joseph Ramon m'a appris que la démocratie, elle appelle toujours des contre-pouvoirs. D'accord. Et qu'il ne faut jamais laisser. Je n'ai pas fini. On ne va pas laisser un homme seul diriger, ou une femme. Au contraire. Surtout pas. Surtout pas. Au contraire. Essayez d'avancer. Troisièmement. Je suis totalement républicain. Troisièmement. Au-delà de l'appellation. On est la seule région de France. Les camarades socialistes étaient pour supprimer les départements au plan national, partout. Résultat des courses. On ne les a pas supprimés au plan national. Par contre, on les supprime chez nous. Alors que le conseiller général était un élu de proximité. Total, on est pris pour des cobayes. Être pris pour des cobayes, d'un point de vue politique, et je regarde Jean-Guy, c'est quand même une réflexion de l'État pour aller peut-être un peu plus loin. Je prends le pari qu'avec la montée en charge des intercommunalités, justement, on va arriver progressivement à la disparition des petites communes où on voit déjà, avec le périmètre des intercommunalités, le préfet qui le dirige, les maires qui crient à juste titre, regardez un petit peu, on va se trouver dans quelle situation, où
le maire de la petite commune, il va signer l'état civil. Bon nombre d'élus ont transféré les ordures ménagères à l'intercommunalité. Les documents d'urbanisme, vous le savez bien, réagissent maintenant par l'intercommunalité. L'action touristique, l'intercommunalité, l'action sportive, l'intercommunalité. Et au fur et à mesure, on va supprimer la commune. On est donc opposé fondamentalement, mais politiquement, parce qu'on est des anti-libéraux. Ça, c'est une version nostrale du libéralisme. Version nostrale du libéralisme, si on n'y fait pas attention. – Version institutionnelle. Qu'est-ce qu'on met dans cette nouvelle architecture territoriale? Comment ça s'articule avec les intercommunalités? Gilles Siméon et après Yassine Santoy. – Rapidement, je pense qu'on peut être tout à fait attaché aux communes et être en faveur de la collectivité unique. Le chantier de la collectivité unique est un chantier immense qui est devant nous. Je pense que la collectivité unique est une évolution inéluctable par rapport aux enjeux propres à la Corse, pas par rapport à ce qui se passe ailleurs, tout simplement parce que la Corse était suradministrée, parce que la balkanisation des structures conduit à un émiettement, une dispersion incompatible avec l'intérêt général, et que donc ce processus-là de simplification et de rationalisation est aussi une exigence politique par rapport à la respiration démocratique locale. Ceci étant, il y a au moins quatre grands problèmes. Je vais très vite. Le premier problème, c'est un problème social, pour y revenir. Qui dit collectivité territoriale unique, dit nécessité d'associer les personnels de l'actuel CTC et des deux conseils départementaux, ils vont être 4500, à cette construction. Il faut les écouter, il faut travailler. Nous avons d'ailleurs proposé, ça a été validé, une commission qui associera à la réflexion et à la mise en œuvre. Ça, c'est le premier point, avec également les questions de mobilité géographique, d'harmonisation statutaire qui sont fondamentales. Le deuxième point, c'est la question de la proximité. Il ne faut pas, effectivement, que la création de la collectivité unique conduise les citoyens, notamment des territoires ruraux, des territoires de montagne, à un sentiment d'éloignement des centres de décision. Et donc, nous avons une réflexion à faire pour la réorganisation administrative. Troisième point, c'est l'équilibre territorial. L'équilibre territorial est inéluctable, a fortiori, en l'état de ce qu'est aujourd'hui la Corse, avec un fort déséquilibre entre le littoral et l'intérieur. Il faut qu'entre le nord et le sud des équilibres se fassent, il faut qu'entre Ajaccio et Bastia des équilibres se fassent, et je crois qu'en arrière-plan de cela, il y a un combat qui est un combat qui n'est pas un combat campaniliste, qui est un combat d'équité et de ce qui n'est pas, qui est exactement le contraire, qui est un combat de vision, de vision globale de l'équilibre de notre société insulaire, et ça passe aussi par des équilibres territoriaux, par certainement une réflexion sur l'implantation et une spécialisation des territoires. Si un tel a plus d'administratif, il est normal que l'autre ait plus d'économique. Et là aussi, nous aurons des propositions à faire, y compris en ce qui concerne, eh bien, Corté, Ajaccio, Bastia, la Balagne, l'extrême sud. Nous devons avoir une vision d'ensemble. Ce chantier-là, dans les deux ans à venir, sera un chantier décisif. – Yassine Santoy, lui aussi, c'est niet, pas de collectivité unique. – Ah non, c'est oui, la collectivité unique. – Je suis seul dans le cadre oui, pour la collectivité unique. Nous revenons à la case départ. Nous revenons des décennies en arrière. Il n'y avait qu'un seul département, Paul Jacob le sait très bien, puisque son père y était, que Jean-Paul Camille le sait très bien, Jean-Paul l'a présidé. Il n'y avait qu'un seul département avec des conseillers généraux qui représentaient bien les territoires. Moi, je suis pour la collectivité unique, oui, mais avec des territoires représentés en son sein. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de traiter la Corse comme on traite l'Île-de-France ou même la région PACA. La Corse est une multitude de micro-régions. L'Altarocque, quelle que soit sa population, doit être représentée à l'Assemblée territoriale. De même que le Nebbio ou d'autres. Tout un tas de micro-régions doivent être représentées. C'est cela. Alors moi, je dis des propositions très simples. Oui, une Assemblée territoriale unique, un président unique, comme dans les autres régions de France. On n'a pas besoin de deux présidents. Ça coûte très cher. Et on est dans une époque de... Oui, mais je dis en face de Dominique Bouquin. On est dans une époque de restriction. Eh bien, nous sommes en train de faire... Ensuite, je vous donne un exemple. Pas de deuxième chambre de territoire. C'est encore des élus. C'est encore des gens à recaser. Parfois, des recasés... comme on le voit au Conseil économique et social, des recasés du scrutin qui sont recasés parce qu'il faut à tout prix leur donner un poste. Et il y en a plusieurs, au niveau local et au niveau national. Quand on parle de réforme, il faut aller au fond des choses. 63 membres, 63 élus,
pas 51, 63, dans des secteurs bien déterminés où personne n'est oublié. J'étais à Vetsan, que Paul Jacob connaît bien, et auprès de 80 personnes qui m'ont fait un repas. Eh bien, je peux vous dire qu'ils étaient tous d'accord avec ce que je disais. Le conseil général de Vetsan a disparu. C'est une erreur monumentale. En plus, et je le dis là, Paul Jacob, c'est le représentant du gouvernement. Il fait partie de cette chose. Je vous dis une chose, je vous donne un exemple très simple. C'est la démocratie bafouée. La démocratie bafouée par un découpage démentiel. C'est les citoyens. Très bien, M. Santal. Paul Jacob, vous êtes un peu en retard sur cette partie-là. Oui, c'est extraordinaire. Oui, comment est-ce que vous articulez cette collectivité unique avec les intercommunalités alors C'est simple, je crois que les deux sont totalement liés. Et qui doit les choisir, la définition du périmètre? C'est totalement lié. Moi, j'ai fait une proposition claire, je militerai pour qu'on la mette dans la loi. Vous ne pouvez pas avoir en Corse... On a une collectivité unique. Les intercommunalités ne doivent pas être faites comme ailleurs. Il faut tenir compte du fait de la collectivité unique. Il n'y a plus de département. Alors, mon sentiment est simple. On ne peut pas abaisser le seuil à moins de 5000. C'est déjà un seuil dérogatoire. Mais en revanche, il faut que ça se fasse dans le consensus. Et je propose que ce soit l'Assemblée de Corse, à une majorité qualifiée, qui est finalement à se prononcer sur cette intercommunalité. Je le dis de manière extrêmement claire. Il ne faut pas que ce soit fait de manière technocratique et artificielle. Il faut aussi répartir les compétences. Il y a des compétences actuellement dévolues au département qui doivent aller... Et par exemple, le social, où il doit aller ? Pas le social... en général, mais probablement l'aide à domicile des personnes âgées dépendantes, ça peut être dans certains cas des intercommunalités qui s'en chargent, plutôt que ce soit géré par la collectivité unique. Sinon, la collectivité récupère le reste de la partie sociale. Bon, alors elle gérera probablement un certain... Mais ça dépend. Dans la ville, dans l'agglomération de Bastia ou dans l'agglomération d'Ajaccio, on peut avoir aussi des politiques différentes. Il faut un gros territoire pour avoir une politique sociale de l'enfance ou une politique sociale du RSA. En revanche, l'aide à domicile des personnes âgées, ça peut être parfois des politiques intercommunales sur des échelles plus différentes. Alors Camille, conclue cette partie. Cette partie est importante. D'abord, si vous permettez, il y a eu 5 grands débats pour lesquels nous avons participé en étant d'accord entre nous, et comme l'a dit Jean-Guy Tellamont, nous avons essayé d'aller vers, je dirais non pas le consensus, mais un équilibre à trouver pour ne pas empêcher l'évolution. Sur la coofficialité, non, et d'ailleurs il n'y a pas d'avancée. Sur le statut de résident, il n'y aura pas de statut de résident, c'est un échec, parce qu'on va proposer quelque chose qui est impossible. Ensuite, l'inscription de la Corse à la Constitution, le gouvernement a fait semblant d'eux, il ne fait rien. Le PADUC, nous ne sommes pas favorables à ce PADUC parce qu'il n'apporte entre autres, aucune sécurité juridique au PLU des communes. – Vous avez dit que c'est un projet de non-développement. – De non-développement en même temps, et en même temps, surtout, il n'apporte aucune sécurité juridique au PLU des communes. Il va apporter plus d'insécurité qu'autre chose. Et sur la collectivité unique, nous sommes favorables, sauf que j'avais proposé au départ, effectivement, et j'ai vu qu'il n'y avait pas de consensus, c'était une chambre des territoires. À ce moment-là, il en fallait deux. Et puis j'ai eu une réflexion très simple, peut-être simpliste, mais je la trouve intelligente. C'est que vous avez sur le continent 4 strates, la région, le département, la commune, l'intercommunalité ou, lorsqu'il n'y a pas de département, la métropole. Donc en Corse, nous avons aujourd'hui la région, l'intercommunalité et la commune. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut effectivement muscler l'intercommunalité. Je ne suis pas favorable de recréer une strate, sinon pourquoi avons-nous supprimé les départements? Sauf que le modèle national ne convient pas à la Corse aujourd'hui. Le modèle démographique est une erreur, aberration. Non mais, vous allez voir, on peut se retrouver là-dessus. C'est une aberration. Je suis pour quelque chose qui soit plutôt à géométrie variable. Il n'est pas, pour moi, obligatoire d'imposer une vision uniforme des choses. Il peut y avoir des territoires qui se construisent parce qu'il y a une volonté commune de mettre en œuvre les moyens et des territoires qui, pour le moment, peuvent être en coopération mais veulent garder leur identité propre. Donc c'est ça le modèle corse. Et ça, l'erreur de ce document, de ce débat que nous avons à travers, comme l'a dit Dominique Bouquine, un amendement. Cet amendement, je dirais que c'est en gros un bébé qui n'a ni bras ni jambes. Il faut maintenant lui donner des bras et des jambes. Ça veut dire qu'il faut 2 ordonnances. Mais vous le verrez, il faut une loi. Il faut en plus un nouveau texte législatif parce que les ordonnances ne permettront pas de modifier l'intercommunalité. Ça veut dire que ce que nous proposions, nous, c'était une loi globale pour la Corse. J'étais surpris, sidéré de voir que lorsque le ministre de l'Intérieur a dit chiche, on a répondu à chiche. Moi, j'aurais préféré qu'on dise on va répondre aux besoins de la Corse et construire un modèle global. À ce moment-là, le référendum, parce que le référendum, 3 ans. Mais je suis pour le référendum, Dominique. Oui, la preuve, oui. En 2003, en 9 mois, on avait créé une collectivité unique avec un référendum. Là, en 5 ans, l'État
arriver à un bébé qui est à moitié fabriqué. Je vais t'aller très vite, et après on passe à la conclusion. Simplement. Il faut les élever. Il a 10 bras de jambes. En 2 ans, on arrive à élever déjà un bébé à faire vite. Simplement un mot, parce qu'on ne peut pas conclure ainsi sur le PADUC, parce qu'il faut quand même qu'il soit dit clairement sur le PADUC. Sur le PADUC. Parce qu'il faut qu'il soit dit clairement que si la droite revient donc aux affaires à la collectivité territoriale de Corse, elle revient avec son PADUC. Cela a été dit très clairement par Stéphanie Grimal il y a de nombreuses reprises. J'ai une certaine autorité vous avez, pour vous dire. Non, mais vous n'avez pas l'autorité de faire parler les membres de votre groupe dans ce sens-là. Non, c'est pas vrai. Vous avez dit clairement, et tous les vôtres à l'Assemblée de Corse ont dit que le PADUC actuel était trop protecteur, qu'il fallait revenir à une autre logique de développement, et c'est la stratégie que vous avez préconisée, que vous avez préconisée je voudrais terminer. Dans le PADUC. Très vite de relancer pas le débat, il reste 6 minutes d'émission. Simplement, dans le PADUC. Vous n'allez pas pouvoir conclure, il reste 6 minutes d'émission. Non, je suis pour le référendum. Très vite, une minute. Vous êtes évidemment pour le PADUC que vous avez signé avec M. Santini. Gilles Siméon. Vous n'êtes plus sur cette logique. Gilles Siméon, vous avez changé d'avis. Le monde a évolué. Je suis. D'un point de vue global. Camille de Rocazière, s'il vous plaît. On ne va pas pouvoir conclure. Très vite. Sens les institutions comme sur le reste. Tout ça doit se conduire par une reconnaissance de la spécificité corse dans la Constitution et que la Corse devienne un territoire autonome avec son organisation administrative et avec sa capacité à faire des lois. Très bien. Alors écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Donc nous ferons un tour de table pour la conclusion. L'équilibre politique semble ensemble le même depuis 2010. On retrouve visiblement avec des forces politiques droite, gauche, nationaliste à peu près semblables. Il va vous falloir très certainement des alliances pour gouverner les uns et les autres. Alors ce sera la conclusion. Dominique Bouquin, vous gouverneriez avec qui ? Non, mais je ne pose pas les questions en ce terme. J'ai déjà répondu plusieurs fois à vos questions. Ah, ben ça fera une fois de plus. Voilà. Ce qui veut donc dire que ce qui est important, c'est la réalisation. Je parle à titre personnel pour ce que je représente, du résultat que nous ferons au premier tour. Et moi, j'invite les gens qui ont envie qu'on parle aussi d'autres problèmes à l'Assemblée de Corse. Ceux qui sont dans la souffrance, dans les difficultés pour le service public, qu'ils nous aident à avoir un résultat positif au premier tour. En tout cas, après au deuxième tour, on sera bien sûr contre la droite et l'extrême droite, comme on l'a toujours été. Yacine Santone ? Écoutez, moi, je me présente pour la première fois à cette élection. Je pense que nous allons créer une petite surprise. Et j'attends donc ce dimanche soir pour prendre des décisions. Mais il est bien évident que je ne porterai pas ma caution ni à Jean-Guy Talamoni, ni à Paul Jacobi. Parce que, je veux dire, quand j'entends parler de corsisation des emplois, quand j'entends parler d'autonomie, quand j'entends parler de peuple corse, autre, je dis tout simplement, le peuple, on l'a vu à l'occasion de ce drame, c'est le peuple français qui se lève. Et c'est la nation française qu'il faut défendre. Jean-Guy Talamon, je n'aurai pas le soutien d'Yacine Santone. Je le regrette infiniment. Mais peut-être celui de Gilles Siméon. Nous verrons. Donc nous avons dit que nous étions à un moment qui est peut-être historique pour la Corse, parce que pour la première fois, les nationalistes ensemble sont susceptibles de remporter ces élections au second tour, d'avoir la prime à la liste arrivée en tête et donc de gouverner la collectivité territoriale de Corse. Dans cet esprit, nous avons formulé des propositions très précises, parce qu'il nous paraît véritablement nécessaire aujourd'hui d'aboutir à cette fusion des listes au second tour. Nous avons dit également vers qui nous pouvions nous tourner ensemble. Éventuellement, si nous avions besoin d'affaire appel à des élus non nationalistes, donc c'est les deux listes socialistes, nos propositions ont été formulées de façon très précise. Nous attendons une réponse, bien sûr, de FEM à Gourcigar. Et nous pensons véritablement que les Corses, et pas seulement les nationalistes, suivent avec attention ce qui va se passer dans les heures qui viennent maintenant, parce que ça peut être véritablement un changement radical pour notre pays, dans le sens, enfin, des droits de notre peuple sur sa terre. Paul Jacob, la fusion à gauche, ça va être compliqué. Hein. Pourquoi est-ce compliqué? Parce qu'un certain nombre risque de ne pas avoir les 5%. Oui, mais bon, après, les électeurs sont libres et se détermineront. Bien. Deuxièmement, dans la mandature, on a essayé de réunir des majorités. On ne pouvait pas faire autrement d'ailleurs, mais c'était mon sentiment, même si on avait une large majorité, et on l'a fait à 35, à 40, à l'unanimité. Bon, aujourd'hui, ça se retrouve quand même dans le débat, parce que parfois, on est peut-être gêné. J'espère qu'après l'élection, on retrouvera ce sentiment de travailler ensemble pour la Corse. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Et personnellement, je n'ai pas de carrière à défendre. Sur le terrain,
je reçois un accueil extrêmement favorable. J'ai toujours été opposé, eu les sondages contre moi, et aujourd'hui, comme d'habitude, mais n'empêche que vous serez étonné du résultat au soir du premier tour. – Gilles Simeone, une union uniquement nationaliste ?– Alors moi je pense que la Corse est à la veille d'un scrutin qui peut effectivement être historique, il faut construire une majorité alternative, nous nous sommes très clairs, premier tour, voter Fémo à gauche, c'est s'assurer que cette alternative se mettra en place. Au deuxième tour, nous avons vocation bien sûr à rassembler l'ensemble de notre famille, mais également à faire une offre politique, notamment à Emmanuel de Gentile et Jean-Charles Orsouch, s'ils franchissent la barre des 5%. Et au troisième tour, y compris si nous sommes en tête, y compris si nous avons la prime, nous ouvrirons encore à gauche et à droite en disant est-ce que nous sommes d'accord pour construire un gouvernement au service de la Corse et de l'intérêt général. 30 secondes pour conclure, Camille de Rocazière, l'union à droite, mais ça ressemble bien à un combat. Hein. Non, non, c'est très simple. Rassembler notre famille politique, gaulliste, libérale, centriste, pour nous mettre au service de la Corse, c'est simple. Nous sommes des républicains. Je ferai un appel à ce moment-là à tous les républicains. Nous avons un modèle de société à défendre dans la République. C'est plus de République, une République plus ouverte, plus généreuse. Et je crois que la Corse, si nous prenons nos responsabilités, nos vraies responsabilités, au lieu de le renvoyer sans arrêt sur l'État, ben nous saurons être encore plus entendus et mieux entendus par l'État. – L'Union républicaine uniquement. – L'Union républicaine, ça veut dire que ce sont ceux qui, aujourd'hui, se retrouvent à partager les mêmes valeurs, les mêmes convictions et un projet. Si nous pouvons nous retrouver sur le projet, sur l'ensemble des engagements avec d'autres, eh bien, ils seront les bienvenus, mais pour le moment, ce sont des valeurs républicaines qui nous engagent. – Eh bien, ce sera la conclusion de ce premier débat. Messieurs, merci à vous tous d'y avoir participé dans un excellent état d'esprit. Sylvie, merci à vous. Cette émission est maintenant terminée. On se retrouve demain soir, même lieu, même heure, pour le second et dernier débat avec les 6 autres candidats. Intanto, buonasera a tutti et à domani.